Hello everyone, welcome to CG. Dear Titans, as the school year comes to an end, we are very excited and proud to announce the Student Council Executive Team for the first half of the 2021 to 2022 academic year. Bonjour tout le monde, and I'm for the student at Movies and Technologies. Me and my classmates learned about the various aspects of filmography and the different roles in cinema and made our own films. Our films are based on the various environmental problems that we face today. We're very happy to be sharing our work with you, and we hope you enjoy. Thank you. L'autre gros problème écologique à Bakou est les déchets plastiques. L'Azerbaïdjan compte 24 kg de déchets plastiques pour une personne chaque année. Les déchets plastiques sont très toxiques pour l'environnement, les animaux et les oiseaux. Les animaux et les oiseaux mangent ces déchets plastiques parce qu'ils pensent que le plastique est de la nourriture. Tout cela a de funestes conséquences comme la mort des animaux. Les déchets plastiques sur les rues et la surface sont très nuisibles parce qu'ils polluent la surface et l'air avec des toxines. Mais il y a beaucoup de solutions pour ces problèmes. Pour les déchets plastiques, une solution est de réduire l'utilisation des sacs plastiques et d'augmenter l'utilisation des sacs fabriques en tissu. Une autre solution est de lancer un projet de nettoyage des déchets plastiques sur la route et la surface. Puis, pour réduire la pollution de l'air, une bonne solution est de réduire l'utilisation des voitures et de stimuler les promenades en vélo et à pied et l'utilisation du transport en commun comme le bus, le métro, etc. Ensemble, nous pourrons changer la situation écologique pour le mieux en utilisant les solutions indiquées ci-dessous. Le déversement de pétrole, l'engrais et des pesticides affectent tout à la qualité de l'eau en Azerbaïdjan en rendant sa consommation toxique. En fait, un grand nombre de 10 millions de personnes vivent aujourd'hui en Azerbaïdjan n'ont pas assez d'eau potable. Le sel affecte aussi la santé des personnes. Il est plus probable que vous contractiez une maladie et la transmettiez aux autres personnes si vous buvez de l'eau sale.
Certaines de ces maladies comprennent l'hépatite et le choléra. Des scientifiques reconnaissent que l'Azerbaïdjan est un pays désastreux sur le plan environnemental. L'occupation arménienne des régions d'Azerbaïdjan pendant 30 ans a endommagé des lacs et des rivières azerbaïdjanais. Par exemple, à cause de l'endigage du lac de retenue Sougouchan, il y avait des problèmes de distribution d'eau dans des régions d'Agdam, Terter, Agdjabedi, etc. On a déjà commencé à résoudre ces problèmes après la libération de Karabakh. Nous devons donc tout travailler ensemble pour rendre les eaux de l'Azerbaïdjan plus propres et plus saines. L'un des longs des pays de sept merveilles du monde, un pays de couleurs et beauté, un pays d'animaux de nombreuses espèces, des paysages magnifiques et de diverses cultures, mais aussi un pays aux enjeux environnementaux importants, comme la pollution de l'eau. Plus de 40 millions de litres d'eau usée sont déversés dans les océans et rivières chaque jour. Il pourrait sembler impossible, mais avec une population de 1,36 billion personnes, presque un septième de la population de Terre, c'est certainement possible. Jusqu'entre 2001 et 2012, 3245 hectares du Hüseyin Sagar ont fleuve dans la ville d'Hyderabad se sont dissipés. Malgré la gravité de ce problème, la majeure partie du monde continue de polluer les océans, encore et encore. Même s'il n'y a pas d'impact immédiat sur nous, les humains, des millions de poissons souffrent et meurent de la pollution chaque jour. 3245 hectares de abrite des millions d'espèces de plantes. Boire l'eau d'égout peut entraîner des maladies pour les poissons. Toutefois, ce n'est pas le seul effet de la pollution d'eau. Lorsqu'il n'y avait pas de pollution d'eau, il était facile de pomper l'eau propre, de la filtrer et d'approvisionner la population. Mais maintenant, qu'une grande quantité d'eau usée est déversée régulièrement dans l'océan, il est devenu difficile de filtrer cette eau polluée. Ces difficultés de filtration d'eau rendent l'eau plus chère. Et maintenant, seulement 1 litre d'eau coûte 50 dollars, ce qui est inabordable pour beaucoup de gens qui vivent dans des villages. Cela devrait ressembler. C'est ce que nous devons honorer. C'est ce dont nous avons besoin de sauver. 8 millions de tonnes de déchets et de substances toxiques sont jetées dans les océans chaque année. Ça fait 936 tonnes, juste toutes les heures. Plus seulement 5 sacs d'épiciers pleins de déchets pour chaque pied de plage. Ce nombre ne fait qu'augmenter et comme 99% des déchets ont besoin d'au moins 10 ans pour tout décomposer, ils ne font qu'empiler jusqu'à environ 10 sacs d'ici 2025. De nombreux moyens d'aider. Tout d'abord, au lieu d'acheter quelque chose de nouveau, on peut réutiliser ce que vous avez. On peut recycler ce qu'on a. Utiliser moins de plastique ou moins réutiliser ce que vous avez. Achetez des articles emballés sans plastique. Fermez le robinet lorsque l'eau n'est pas utilisée. Ne versez aucune substance toxique et novice, ni de pétrole dans les égouts. Et nettoyez et lessez
les plages que vous visitez propres. Il y a une meilleure alternative. Utilisez-la. Économisez l'eau, sauvez la terre. Thanks for watching CG. See you next time.